Face à la rivière Doré, un lieu paisible et verdoyant. Nous sommes dans les jardins de mémoire. Ici, les cendres des défunts reposent au pied des arbres. Lionel Lemaguère a eu l'idée de créer ce site suite à la disparition d'un ami proche. On a longtemps parlé ensemble, mon ami et moi, et il avait toujours souhaité être au pied d'un arbre dans son jardin. Donc il fallait créer un jardin pour eux, juste pour ça. Je me suis dit que si lui était confronté à ce problème, beaucoup de gens devaient être confrontés à ce problème-là, problème du devenir des cendres. C'est là qu'a commencé l'histoire. C'était le dernier cadeau que je pouvais faire à Corentin. Mon obsession était qu'il ne soit pas enfermé dans un cimetière, pas 26 ans. Et surtout, j'avais cette sensation, et que j'ai toujours, c'était de mettre Corentin là où, s'il avait eu à choisir dans cette monstruosité de la mort qu'il a connue, il serait venu là, quoi. Il était au bord de l'eau, c'était son rêve, quoi. Et qu'en plus, voilà, comme les gens passent, j'avais une sensation de ne pas le laisser seul. À ce moment-là, c'était vital. Alors voilà, je vous montre ça parce que je trouve qu'elle est... Enfin, évidemment, comme c'est mon épouse, je vais vous dire que c'est la plus belle. Vous savez, les choses se sont faites comme ça. Hein. Elle s'est assise sur le banc rose, là, qui est là, et puis elle a dit, tiens, c'est quand même un beau coin. J'ai pris la bonne décision. Alors après, ben après, je ferai un petit trou. C'est pas moi qui le ferai, c'est Lionel, mon copain, là. Je ferai un petit trou, et puis voilà, et puis je serai en face de la mer, et puis qu'est-ce que vous voulez, ça sera chouette, quoi. Puis à Carnac, donc près des menhirs. Quand j'étais gamin, mon premier but de voyage, c'était à 200 mètres de la maison, une tombe qui était au milieu des bois. Quand j'étais gamin, les chansons de Brassens après, on mélange tout ça, on fouette bien, on laisse lever et on arrive au jardin de mémoire. Mais sans Brassens, je crois que ça n'aurait pas été possible non plus. C'est pas tellement auprès de mon arbre, c'est surtout la supplique pour être enterré sur la plage de Sète. Vous en pouvez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Ça inspire forcément. En vacances, vous en virez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances.